alias Jay, le fil conducteur de Sunday Matinée, qui est un groupe de rock pop. Et on est ici à Villetaneuse, à Midi Live, pour enregistrer un EP de 3 titres du groupe Sunday Matinée. Alors Sunday Matinée, c'est né en 2008, quand j'ai commencé à composer, à écrire des morceaux et à prendre confiance dans mes qualités d'écriture. Mon univers musical, tout ce qui va comporter une guitare, plutôt de la musique mélancolique, énergique, mais plutôt en mode mineur qu'en mode majeur. Aujourd'hui, on enregistre le troisième EP de Sunday Matinée, donc c'est un projet sur 4 saisons. Ce cycle de 4 saisons permet d'explorer toute une palette à la fois de sonorités et d'émotions. Donc on va aller de quelque chose de très lumineux dans l'été, passer par quelque chose de plus introspectif jusqu'à l'hiver pour renaître au printemps avec plus de lumière. Sunday Matinée, c'est le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est un moment un peu entre deux, une interstice dans la semaine, entre la fin de la semaine qui vient de s'écouler et le début de la suivante. On ne sait pas trop si on est triste, si on est content, si on se repose, si on s'énergise. Ce qui m'inspire, c'est une espèce d'incertitude que ça dégage, les questionnements qui peuvent survenir comme ça dans ces moments d'entre deux, qui traversent aussi les morceaux de Sunday Matinée. Il y a beaucoup de questions autour de l'absence, et ça peut être à la fois l'absence de quelqu'un qu'on ressent, ou aussi une absence de sens ou de direction dans la vie. Ce vide en fait, qu'on peut tous ressentir. Il y a beaucoup de mélancolie, ouais. La musique mélancolique, c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant, je trouve.